Cette opportunité de venir en Chine m'a permis de changer de vie complètement. En Chine, ça m'a permis d'avoir un chien, Newton, que j'aurais jamais pu avoir en France. Mon nom aussi différent, c'est que j'ai pris un nouveau nom chinois, Suzhou. Pour Pierre Alivon, tout est nouveau à Beijing. Il peut puiser sans limite son inspiration dans cette ville. La vie à Pékin est en fait une ville gigantesque. Ce qui est assez incroyable, il y a différents espaces-temps. Par exemple, quand nous allons dans les parcs, on voit beaucoup de retraités qui font du sport, qui s'amusent, qui jouent aux cartes. Et avec le temps qui passe tranquillement, dans un aspect très poétique d'ailleurs. Et quand on passe dans la rue, là, il y a une autre atmosphère, beaucoup plus trépidante et beaucoup plus rapide. Au début de 2020, en raison de l'épidémie, tout le monde s'est confiné chez soi. Beijing, une ville très dynamique d'ordinaire, est alors devenue silencieuse. Durant cette période, Pierre Alivon sortait quand même pour prendre des photos, fidèle à son habitude. Cette période était très particulière et ça m'a permis de prendre des photos assez incroyables de la ville de Pékin, complètement déserte. Cette photographie a été prise le 11 février exactement. Donc je suis allé à la place Tiananmen, il n'y avait personne. Et les seules personnes qu'il y avait, c'était évidemment les forces de l'ordre et le service d'entretien. Et comme vous voyez, toutes ces personnes continuaient à travailler et à nettoyer la ville et à désinfecter la ville. Et donc toutes ces personnes sont des personnes inconnues, mais ils ont aidé la collectivité. Et pour moi, c'est des héros. Et cette photo reflète ça, reflète ces gens courageux qui sont sortis pendant l'épidémie et qui ont continué leur travail pour permettre à d'autres de continuer à vivre. Pierre Alivon devait organiser une exposition en avril, mais elle a été reportée en raison de l'épidémie. Cela lui laisse néanmoins plus de temps pour réfléchir et créer. Au début de l'épidémie, à travers les médias occidentaux, il y a eu une certaine discrimination vis-à-vis de la communauté chinoise. J'ai lu dans des journaux français le péril jaune. Et ça m'a vraiment attristé. Et j'ai voulu combattre ça en faisant ce logo pour montrer, avec mon nom chinois, pour montrer l'amitié franco-chinoise que j'ai constatée moi depuis 5 ans. Pendant le confinement, j'ai fabriqué une sculpture que j'ai appelée Dragon. À travers mon reportage photographique, j'ai découvert des gens ordinaires qui sont venus des gens extraordinaires et qui sont devenus des héros. Et j'ai découvert que toute la population de Pékin ont été comme des soldats, des guerriers pour combattre l'épidémie. Chacun individuellement a appliqué les consignes. Ce soldat est la représentation de tous les individus qui ont combattu le virus avec un dragon, car chacun en eux avait la force du dragon pour combattre cette épidémie. Ce soldat regarde le ciel, écoute de la musique, car il a envie d'espérance, il a envie de réussite. En 2019, on a fêté le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Pierre Alivon a réalisé une sculpture qui reprend des éléments de Nua et du dragon. J'ai représenté Nua, une ancienne déesse chinoise qui représente la vie et l'harmonie. J'ai voulu montrer aussi le courage, la dignité et l'humanité de chaque Chinois que j'ai rencontré. Elle regarde le ciel pour la spiritualité, elle a envie en fait d'un avenir meilleur. Pour avoir un avenir meilleur, il faut aussi s'ouvrir dans sa chair. C'est pour cela que le dragon rentre les griffes dans la peau, car il faut avoir du courage au quotidien et beaucoup de force pour pouvoir affronter la vie. Depuis 3 ans, Pierre Alivon est commissaire d'exposition de la galerie Artes. Il a organisé plusieurs expositions sur le thème de la fraternité. Il espère bâtir des ponts entre les cultures de France et de Chine. À travers mes activités de commissaire d'exposition, mon objectif c'est d'aider les jeunes artistes et d'aider les artistes chinois. Donc ça me permet de pouvoir donner la chance à des jeunes artistes et à des moins jeunes de pouvoir s'exprimer et de présenter leurs travaux au grand public. Pierre Alivon prévoit actuellement une autre exposition. Où j'ai contacté en fait des artistes et d'imaginer des œuvres d'art, de la sculpture ou bien de la peinture sur le thème de l'épidémie. À travers ses œuvres, il espère que la population française pourra mieux apprécier le courage des Chinois face à l'épidémie et ainsi mieux connaître la Chine.